Yon jou pou chase, yon jou pou jige. FBI frappe base 400 Marozo et pote ale, yon membre très influent en dan base. La mo san jou tèt li chaud konvèlan nan moment la. Eh bien, rete la m pral bo tout détail yo, tout information yo nan yon ti moment. Commissaire Muscadet a travail, commissaire a continué travail nan juridiction la. SDPJ nan NIP rive mette en bakod 6 trafiquants drogue. 6 trafiquants drogue, grand moun, kouti moun, fòm kou rason, yo an bakod nan moment n'ap pale ya la. Rete la pou plus détail. Nan dossier kagezon zam ki rentre sou nan l'église épiscopale d'Haïti, an gen gwo évolution ki a fait nan dossier si la. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, Jacques Lafontaine, yo mette yon mandat international derrière de la en gauche qui participe nan dossier si la. C'est toute information sa yon pote pou ou. Pas bouger pour aller contre tout dossier yo talè comme ça. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue ou sous TAC 609, tout haïtien connecté ou dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. C'est toujours un plaisir pour me porter information pour vous, pour me traiter information avec vous. Mais un souci pour être connecté avec tout ce qui a passé en dedans la République. Si vous faites tomber sur channel, n'hésitez pas à hésiter, abonner, toujours activer la cloche notification comme ça. Wapkavin participer avec nous dans chaque vidéo n'a gagné pour nous poster. Yo la fois encore, un grand merci à vous-même. Nous pral parler pays, nous pral faire débat dans un petit moment. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. République qui pas connaît groupe gang 400 Marozo son groupe gang qui structuré. Qui est-ce qui pas connaît gang 400 Marozo li gen embranchement tout côté dans plein nan. Ça pire de là n'a tande même gang 400 Marozo ça li fait alliance avec nèg GPP dans cité soleil. Donc ou comprenne que nèg yon de dans gang 400 Marozo yo nèg za yo qui a financé kap bay gang 400 Marozo moyen technique pour faire des moyens techniques pour camper en face de la police, yon en pile dans la République. Nous songeons, FBI te débarqué, vin bote mené aller, Germaine Jolie alias yon yon te nan pénitence nationale. Et yon yon tout moun te koné, c'était lui même qui te serve au gang nan, c'était lui même qui te principal chef 400 Marozo. Malgré le te nan pénitence nationale, li tap commande gang nan, li tap préparer kidnapping, li t'as préparé assassinat, t'as préparé complot, t'as préparé attaque contre la police, etc. Nous tous t'es au courant de Germaine Jolie, nous tous t'es au courant de Yon Yon, comment qui pratique li t'as fait l'élève dans la pénitentiaire nationale. Eh bien, FBI est venu, li prend Yon Yon, le pote l'aller. Après un petit temps, il prend Yon Yon. Et 10 juin, 16 juin, on prend la prendre. En République Dominicaine, FBI a débarqué, liboté Jean Pelis alias Zo alias Ti David, li mené Ti David Ali. Kounye ya, question pour poser de tout, le yon te fin pran yon, yon te al avec yon, te go ensemble de formation tap circulé comme quoi genye et sénateur et Hervé Foucan qui te en relation à base 400 Marozo, te genye sénateur Hervé Foucan et qui te soi-disant t'a parlé à yon yon, kon parlé à yon yon, ou ensemble d'informations, qui soit disant qu'on demande yon service, etc. Jusqu'à date, ou pas jamais entendu commissaire Jacques Lafontaine dit le bras l'enquête, ou pas jamais entendu commissaire Jacques Lafontaine dit et li mette action publique en mouvement pour le connaître, est-ce que c'est vérité, est-ce que c'est menti, etc. Bah, yon ça pas intéressé, bah, yon ça pas inquiété, nèg yo. Et c'est une des raisons pour aller en pile froid ou toujours un nèg qui nan gang yo, chef gang yo, chef de bandio, yo toujours pour malin plaisir pour yabdou yo en relation avec politicien, yo en relation avec gros homme d'affaires, gros businessman nèg qui gen l'argent dans la République. Ou partant d'éviter l'homme d'eau, réunion fait la Kaeli avec André Michel, Daniel Kassi, Ariel Henry, avec un pilote encore, li kon recevoir et Zoki qui la Kaeli, sénateur, Jaronel Sénatus, li kon recevoir Yuri la Tortue la Kaeli, nous tout tende, toute information sa yo. Mais pas au froid, pas au commissaire gouvernement qui dit que yo pral enquêter, yo pral chercher, est-ce que c'est vérité, est-ce que c'est menti, chef gang nabay. Ben, ça pas inquiété yo. Eh bien, pour 400 Marozo,
fait toute exaction la faire pour négio et continuer à faire kidnapping pour négio continuer à fouiller kaimoun et toute barre toute pratique ça yo bon façon pour négio fonctionner bon façon pour négio organiser yo et non mode organisation exa yo on pral joindre et nèg qui placé pour ba yo zam pour fourni yo zam nèg qui placé pour fourni yo et bal nèg qui là pour monter plan opération avec yo en dans même gang 400 marozo gagne des policiers qui infiltré pour ba yo information nous compte de tout détail ça yo dans date qui était 26 avril 2022 passé là gagne une principal fournisseur zam en dedans base 400 marozo Germinal Maxoni on va regarder là Germinal Maxoni t'a pral joindre arrestation le côté policier polifrontio t'a pral arrêté le pendant t'a essayé entrer en République Dominicaine sur route mal passant yo metté main dans pas de cassave Germinal Maxoni. Germinal Maxoni li te gagné plusieurs chefs d'accusation sous dol comme quoi li c'est une présumé fournisseur d'armes li konn vendre yo armes li konn vendre yo munitions mais tout li c'est une nan moun qui konn blanchi l'argent pour nèg gat sa marozo. Parce que enquête faite, yo joine Germinal Maxoni, gon gros pompe gaz li fait, etc. C'est avec l'argent kidnapping, c'est avec l'argent et assassinat, c'est avec l'argent camionnet yo détourné, voler marchandises, etc. Donc, DCPJ t'a arrêté Germinal Maxoni, yo mettel non ti côté pour machine pa kwapre. Yo mettel non côté pour la réfléchir. Eh bien, pendant tout temps ça, 2 avril à juillet, Germinal Maxoni li te nommé autorité policière yo. Il a enquêté, il a cherché plus d'informations, il a collecté plus d'informations. Eh bien, après FBI fin prend ni yon yon ni zo, information à bail, il a collecté information par bon côté par yo, parce que ni zo ni yon yon. La justice américaine estime que c'est yon même qui planifie enlèvement missionnaire américain qui est rentré en Haïti, 16 missionnaires qui te vini, vini prêcher l'évangile, vini, devine faire ceci, vini faire cela. Eh bien, le yo pran moun sa yo, la justice américaine tap enquêté pour yo konnen effectivement est-ce que c'est base 400 marozo qui est dans base 400 marozo qui séquestré moun yo qui est dans base qui tap joué rôle pont qui tap joué rôle et traducteur qui est qui était là pour ba information qui est qui était là pour faire pression etc. Malgré yon yo dans prison le FBI prend yon yon mené yon yon aux États-Unis avec yon yon. Yon yon passe devant juge et yon yon tap pral plaide non coupable dans dossier enlèvement séquestration 16 missionnaires. Pour qui ça? Parce que yon yon dit lui-même, li te nan pénitencier, yon yon kokien oui, li te nan pénitencier national, comment tap pral fè kidnapper, comment tap pral fè séquestrer missionnaire américain alors que li te en détention? Mais tout le monde connaît, c'est Yon Yon qui chef gang 400 marozo. Tout le monde, vidéo qu'on a circulé sur réseau, Yon Yon a dans bazan, Yon Yon a passé l'autre, voice a circulé, Yon Yon a dans bazan, la voix et message by Elon Musk. Tu es toujours en connexion, tu es toujours en communication constante entre Yon Yon qui est dans le pénitencier national avec reste gang qui ont même affaire dans plein temps. On a Yon Yon plaidé non coupable. Jusqu'à date, dossier yon yon en lien suspens, te paraît devant juge, mais kounya pral gagne procès. En attendant, toute information yon ba yon, qui sa yon fait, yon cumule l. Kounya le zo, le yon fin arrête yon yon. Pardon, bon titan, nou pa jam mouè zo sou radar, parce que chaque jour, zo kon vini, vin ba information sou bez 400 marozo, li fin ba information et puis la prêche moun l'évangile, puisque zo te maintenant tête li. Le fait que li te fait pasteur au charimi convertir tout péché le pardonner donc il pas gain compte pour le ron. C'est ça nous toujours maintenant tête nous. Des fois on dit nous religion, le monde yo pas comprendre ça qui religion, yo utiliser religion pour zombifier un paquet de monde. Yo utiliser la religion et pour cacher péché, pour couvrir saleté qu'a fait. Et pas mentir, nèg lan participer dans kidnapper monde. Li participe dans touye moun, yo participe dans faire cadeau Jacques sou moun, yo vole bagay moun, yo boule kay moun, yo touye moun et puis ou on y rentre l'église, ça veut dire tout péché yo pardonné. Ou pardonné bien non, bagay yo pa ka comme ça. Donc ou est 16 juin le FBI débarque en République Dominicaine, yo prend zo yal avec zo. Zo paraît devant juge, zo décide lui-même entre-temps est-ce que la plaide coupable, est-ce que la plaide non coupable? Eh bien, zo té là dans bazar à ce moment, zo décide plaide coupable. Kounya faut que continue, faut que travail la continue, faut que enquête la continue par bon côté autorité américaine. Yo pour rejoindre tout le monde, tout cerveau bad là, tout le monde qui t'a participé de manière active non kidnapper ressortissant américain yo. Eh bien, étant donné Germinal Maxoni était déjà dans mes autorités la autorité policière yo, il était dans la justice haïtienne, eh bien sans perdre du temps
yo débarqué FBI débarqué en Haïti, li vini le prend Germinal Maxoni, li aller avec lui. Et bien, dans date 19 juillet, kap gen pour venir là, dans 3 jours encore là, 2-3 jours encore là, Germinal Maxoni pral gagner pour le paraître devant tribunal, devant juge dans district Columbia pour répondre question dans ça qui gen pour avec enlèvement séquestration ressortissant américain ou missionnaire américain. Mais ça qui attire l'attention, c'est le fait que oublié moi dou le yo arrêté yon avec yon nan téléphone yon gen différents messages et yo te joine côté que li kon parler avec Hervé Foucan. Même sénateur Hervé Foucan ça te couri soti note pour dire que li tande yo di numéro kon parler avec yon yo te volé et yo te pirater téléphone ni yo pirater ni WhatsApp li etc. li pa gen rien pour le avec question yon li pa gen rien pour le avec gang 400 Marozo et la justice haïtienne pa fait rien. Kounya, est-ce que l'autorité américaine, est-ce que la justice américaine pral vraiment enquêter pour le dou, li pral rive sous sénateur Hervé Foucan, yo pral vini la pour dou, yo pral avec etc. Nous la suivre pour nous connaître qui évolution kap gen, parce que si la kay nou pa gen justice, mais si toutefois li ta gagné implication dans question kidnapping, dans question enlèvement et missionnaire américain, yo c'est sûr que tôt ou tard la gen pour répondre question. Donc nous la suivre, nous la n'ap garder qui évolution ka fait dans dossier et te gagné tout. Te gagné traducteur qui te dans base 400 Marozo, nèg sa yo te utilisé pour te communiquer avec l'église côté que missionnaire yo te aux États-Unis. Pas oublier la police et la police nationale t'a arrêté. PNH t'a arrêté traducteur. Et bien traducteur ça non jour qu'a venir là yo li pas ou attendre même FBI débarqué vinn prendre parce que depuis c'est moun qui impliqué de près de très près de loin avec enlèvement séquestration missionnaire américain yo la justice américaine a vinn chercher yo et seule assurance nous gen là on m'attendre toute bagaille dans moment là. Ou pas besoin demander comment l'homme s'en sent. Ou pas besoin demander comment le sent parce que li gade li wè yon gros yon oui chef bazan yo pran zo mais yo pran Maxoni li même tout faut le mettre col à l'abri. Nous wè dimanche nous wè 8 jours de cela nous wè comment il te prend la rue bon garantie et l'homme s'en joue pas prendre la rue à kounia. Li pas prendre la rue à kounia parce que si la police pas gèt touyer l'homme s'en joue le ou la façon FBI a débarqué, il a vinn prend l'homme sans jour quand même le ou la façon. L'homme sans jour l'a bien pour répondre question. Donc la gang 400 Marozo, m'pa konnen qui est-ce qui vinn à la tête li. Dans 5, dans 10, dans 15 ans si la police pas décidé pour yo finir avec dossier 400 Marozo, mais nèg sa yo, le ou la façon yo nan collimateur la justice américaine, yo nan collimateur FBI et yo pa jamais fini bien. Et pour ces bandits, ces gangs, qui terrorisent la population, c'est innocent à faire abus, c'est innocent à faire mal, ou pas, il doit finir bien. Là, non, NIP, vous regardez là, où il y a plusieurs photos devant. La vraie, vous regardez, j'ai bien ça. C'est un grand monde. Eh bien, dans la région NIP, la SDPJ pose la patte sous 6 trafiquants de drogue. Nexario, il y a 20 marijuana, lit, non, jour, ouais, non, dernier jour, ça, là, la police saisit un paquet de substances illicites. Marijuana, drogue, yo saisit un pile cocaïne, pile marijuana. Bon, nous avons regardé photo récemment, là, et policier qui a boulé marijuana. Nexario, là, on regarde, la photo, ça, on regarde là. Yo arrêté Louis Jess Montas qui gagnait 47 ans. Regardez petit papier là, 47 ans, il va choisir l'autre travail pour le faire bandit, vendre substance illicite, vendre marijuana et c'est ça seulement il fait pour la vie. Emmerder population, emmerder troubler l'ordre public. Nous gagnons Mackenslaw Chéri qui gagne 22 ans. Nous gagnons Menos Chéri qui gagne 65 ans. Nous gagnons Ariol Hilaire lui-même qui gagne 47 ans. Pas de grand monde. Nous gagnons Steve Boye qui a 26 ans et puis gagnons Rosemire Tadezimon qui gagne 17 l'année. Yo arrêté yo avec un total 15 634 goud avec 57 dollars américains. Bon, en fait, nèg sa yo n'a pas gardé là, monsieur, dame sa yo, c'est moun qui a troublé l'autre public, qui a vendu marijuana, qui a vendu drogue et yo a besoin qu'on ait.
Yo a besoin kon ki lè, kon ki jou, kon ki dat, kon ki moment, kon ki yes pou yo vann. Yo seulement contenté yo fè l'argent, yo produit bagay lan, yo vann ni tout, y a troublé l'ordre public. Donc lè et police SDPJ yo te débarqué sou moun sa yo, yo maré yo. M'ai l'impression qu'on y a à cause commissaire Muscadé qui dans juridiction Miragouane là qui lague des guidons des bandits, qui lague des guidons des FIS yo. Donc li vinn incité depuis c'est dans juridiction voisine yo. Depuis son commissaire gouvernement qui voulait bay bon service dans juridiction là, bay bon service dans communauté là. M'ai l'impression jodi an la nèg yo prend Muscadé comme modèle yo. Parce que Muscadé lui-même ni dou li. Gade, m'pa konnen si nous branché. Avant hier la Muscadé descend dans ti rivière, dans commune ti rivière. C'est pas deux trois moun commissaire maré, des séries de moun qui fait marché noir avec gaz, qui vend gaz dans galon, alors que nos pompes yo pas gen gaz, mais moun yo jwenn gaz pour yo stocker dans droum, yo jwenn gaz pour yo stocker dans gros citerne yo, pour yo vendre dans la rue $250, $300. Donc le commissaire Muscadé rivière dans commune ti rivière, qu'est-ce qu'il fait? Li maré garçon maré femme, ou pas rien pour dire, ou pas gen rien pour dire. Parce que ou nan trafic illicite, ou nan vann gaz de manière illicite, nan fè contrebande, nan fè corruption. Donc li normal, pa gen plein. C'est même gens ou attendez yo mari yon nan Mateli, yo mari Didier Mateli, qui se met pompe Delma 83, qui ça le fait. Yo di pa gen gaz pou yo vann nan machine, mais yo barre pompis li qui a vann gaz nan droum pou moun al revann. Est-ce que m'tande bien? Paye gaz pour yon vendre dans machine, pour yon vendre dans moto, non? Mais nèg la vin avec doum, il y a plein doum pour moun yon revendre dans la rue. Koun yon lè la police arrête, ou attendre nèg la pouvè kol, yon va arrêter pompis sa ka fè malversation, ka fè corruption, oui, qui nan contrebande, oui, li vin ouvè kol, puisque son maté li, li vin ouvè kol sou moun yon. Ah, li pren code. Attendez à la, yon retan mette pop 83 chaud, mais le pren code la net. Ou pas qu'à faire contrebande, ou pas qu'à faire votre illicite produit pétrolier, alors que je dis là, pays en a problème, nous en problème, gaz pas qu'à sortir dans le terminal Varoua, peut-être guerre qui gagne dans Cité Soleil, mais le chauffeur est si risqué ville, aller dans la pompe, aller dans le terminal Varoua, prendre gaz pour venir maintenant pompe là, nous même encore, c'est nous qui avons créé des ordres, c'est nous même qui avons troublé la paix publique, parce que c'est nous même l'un dit nous n'avons pas gagné gaz, nous n'avons pas gaz, nous n'avons pas gagné. On a moun sa qui pral revendiquer, qui ça y a fait? Il y a sa manifestation, il y a boule caoutchouc, il y a crasé, il y a brisé, alors que gain gaz, c'est nous même nous préférer faire marché noir, nous préférer participer dans la corruption pour nous troubler l'État. On comprend pour troubler l'État. Donc là, on a compris et là, on dit Mateli, on comprend ça Mateli vraiment. C'est bon bandit légal, pas rien plaisanterie, non, rien blague dans ça. Là, on nous parle petit pause mon regard, mais bien avant, soit j'aime te dire nous dans commencement émission et commissaire gouvernement Port-au-Prince, la guerre mandat international des FIS de la gauche qui participait dans plein conteneur examen munitions pour voyer en Haïti et dossier trafic d'examen ça li impliqué directement l'église épiscopale d'Haïti, mais on va le découvrir. Dans le même dossier, ça a gagné deux mouns. Deux mouns, c'est une femme avec une réaction, c'est la même famille Covington qui a gagné la sécurité en Haïti. C'est la même famille Covington qui participe à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et c'est même qui implique tout dans la question de trafic d'armes. Restez là, pas bouger, pour retourner après le président. Gaban, c'est une formulation qui fait à partir de 13 plantes médicinales qui gagnent pour nourrir le corps. Réparer cellulou, augmenter énergie physique et mentale, compenser carence en nutriments, liquéfier sang pour permettre une meilleure circulation dans l'organisme. Bi principal li c'est produit hormone testostérone qui pral augmenter libido et qui pral augmenter désir sexuel. Genzouti c'est une crème qui formulée à partir de produits naturels. Objectif lui c'est augmenter élasticité dans tissu spongé pénis là qui c'est peau pénis là et en même temps li gen pour nettoyer corps caverné pénis là qui c'est veine pénis là. C'est tout des actions ça yo qui pral permettre les pénis là en érection, li pral ka recevoir plus sang et puis li pral détirer dans longueur ak nan lage. Am di nou ça. Honnêtement, nous un dossier zam sa qui implique l'église épiscopale d'Haïti, un dossier qui est extrêmement complexe. C'est un dossier qui est fragile. Pour qui ça? Moi di ou gagne deux moun dans dossier qui yo même yo lié avec famille Covington qui participe dans assassinat président Jovenel Moïse. Gagne Grégory Moraille qui gagne 45 ans.
Gay Michel Corinton Morail qui a 46 ans, yo joine c'est à yo même qui t'a envoyé conteneurs d'armes illégales en Haïti. Deux Haïtiens ça yo, yo gon compagnie cargo qui basé dans Miami, compagnie en relais Alliance International Shipping. Eh bien, c'est compagnie shipping ça qui yo même prend conteneurs d'armes qui voyel en Haïti. Et c'est pas première fois. Tenez bien, c'est pas première fois puisque en 2020 PNH, la police, BLTS, intercepté yon conteneur, yon cargaison zam avec munitions que même famille sa yon voye en Haïti. Que même Morail, Grégory Morail, que même Michel Corinton Morail voye en Haïti. Est-ce que vous entendez? Alors que même famille Corinton sa yon bon compagnie sécurité en Haïti qui est le Corinton Courrier et Sécurité Service sa en Haïti, imaginez-vous. Nous avons une compagnie de sécurité en Haïti. Nous avons le droit pour nous acheter des armes. Mais les armes nous avons le droit pour nous acheter, c'est des armes de poing. Ce n'est pas des armes automatiques. Nous avons le droit pour nous acheter 12, pour nous acheter 38, etc. Mais imaginons même les gens qui ont gagné une compagnie, c'est une famille qui a gagné compagnie de sécurité en Haïti. Même les gens qui ont gagné une compagnie cargo qui est basée à Miami aux États-Unis. Qui compte les armes qui sont rentrées en Haïti? C'est les États-Unis. Et en 2020, PNH intercepté saisi zamak munitions que moun sa envoyé en Haïti. 2020 oui, nous notre 2022, nous notre juillet 2022. Pas gen aucune disposition qui prend contre moun sa yo, yo pas poursuivre moun sa yo, yo pas lever le petit doigt contre moun sa yo et 2 ans après c'est même moun sa yo qui a envoyé zam en Haïti. Dites tout bien. En pile fois qu'on tend donc on a poué DCPJ a fait la presse descendre vini mais qui cargaison yo saisi mais qui quantité zam ak munitions yo saisi. Des fois on dit c'est corvé nèg yo a forfè parce que 2022 ans après même moun sa yo impliqué dans voyer zam en Haïti, pas jamais gen aucune disposition qui prend contre yo même. Yo pas met mandat derrière yo, yo pas t'arrêter yo, yo pas mettre yo dans prison, yo pas fait rien. Yo en liberté, yo continue à faire même travail la même pratique ça. Donc je dis là, l'entendez yo saisi plus passé et 100 000 cartouches ou tendez yo saisi et plusieurs cargaisons d'armes et munitions en dedans pays. Est-ce que réellement après zam za yo pas tourner en jeune mettre yo? Est-ce que zam za yo pas jeune bandier? Yo pas arrivé à destination finale. Parce que moi même réaliste, honnête, nous voulons honnête avec nous. C'est vrai nous avons un bel travail qu'a fait et dans douane port de paix. C'est vrai nous avons un bel travail qu'a fait en dedans des CPJ la vie ni vienne montrer nous saisir nous faire ceci nous faire cela et après c'est après qui plus important oui saisir là pourquoi rien et après est-ce que zam sa yo pral servir la police? Est-ce que zam sa yo pral bon pi gros chef qui pral rele pral passer l'autre pour joindre metyo parce que bon me dit nous n'est yo tellement malveillant n'est yo tellement malhonnête. Pour un monde vin avec 5 millions de dollars américains, faux dollars, pour venir injecter sur le marché économique. Là. 5 millions de dollars, 5 millions de dollars américains, faux l'argent, pour venir mettre sur le marché. Ça veut dire là, yo gagne objectif pour écraser l'économie en plate. Pour écraser l'économie, nous déjà pas une économie qui fonctionne, nous pas une économie qui productive. Quand on a 5 millions de dollars, faux l'argent, pour venir mettre sur le marché. Ou imaginez la quantité de businessmen qui prennent faux l'argent. Même non banque là pas connait sou pas pral rive non banque si yo pas pral filer faux filer on faux 100 dollars ba ou non parce que nèg yo malveillant nèg yo sadique kounyo ba imagine nèg la vini là ki quantité jeune ti mesdames nous jeune ti garçon nous là yo pral use yo pral abuser là yo pral plimer moun la terre avec faux dollars. Non mais c'est sérieux, c'est sérieux. Parce que nèg sa yo ki vin avèl Moraiza, Grégory Morail, Michel Corinton Moraiza, ki voye ba isa yo en Haïti la. Yo konnen exactement ki sa li. Bon dou, wè nan dossier l'église épiscopale, nan gade pou wè. Suiv pou wè, tout moun ap gale dè yo dè. Tout moun ap gale dè yo dè. Kounen ap gale eksplike moun fon konteneur, ou pa verifye ki sa nan konteneur, se anik pou konteneur, ou voye le sou bato pou rentre en Haïti. Est-ce qu'on comprend? Donc là, les gens qui jouent le broker, l'autre Regina Walls qui joue le broker, son commissionnaire lié, c'est un coup entremetteur lié, entre deux parties, la dédouane conteneur pour arriver à destination. Mais est-ce que Gina Walls si connaît qui ça qui est dans le conteneur? Parce que si job mouna, en niveau logique, si job mouna, c'est. Faire suivi yo le conteneur arrivé dans douane faire suivi pour le débarquer conteneur, est-ce que forcément le constat qui est dans conteneur, est-ce que
de moun ki bay signature. Est-ce que l'église épiscopale connaît réellement qui ça qui est dans conteneur? Parce que faut nous monter dans tête là, moun ki fait conteneur aux États-Unis. Moun ki voye conteneur, ki mette conteneur sous bateau pour rentrer à Haïti, est-ce que préalablement est-ce que deux moun sa yo pas plus au courant de ça qui est dans conteneur que moun sa yo qui en Haïti? Parce que la mandat international là, li frappe qui est? Li frappe Lindoremi. Il a cherché Lindoremi tant que chien fou là aux États-Unis. Li frappe Franklin Batista, il a cherché tant que chien fou là aux États-Unis. Parce que c'est deux moun sa yo qui semblerait-il charger conteneur voyer nan et nan cargo metel sous bateau voyer en Haïti. Là son réseau criminel à la base nous bon réseau criminel. Au final, l'enquête fin faite, le toute information fin collectée, est-ce que yo pral retirer moun ki ande dans l'église épiscopale qui te bay spécimen signature, est-ce que yo pral retirer Gina Wells ou bien est-ce que yo fait partie de même association criminelle ça qui a fait trafic de munitions dans le pays? Et gen l'autre bagay, au Nicaragua là, m'pral di sa k passé. Président Ortega met ton paquet religieux dehors parce que li fè konnen groupe religieux ça yo ki ça yo fait, yo participé dans faire zam rentrer, yo pa paye impôt, yo pa paye taxes, mais yo a fait zam rentre, yo a utilisé franchise yo rien pour yo faire zam rentre en dedans pays ya, bay rebel zam, bay groupe criminel zam pour déstabiliser pays ya. Ça au Nicaragua, ça c'est président Ortega qui publie information ça. Moi ça veut nous comprendre dans dossier ça. M'pa vle aucun moun a vinn faire fuite en avant pour dire et c'est piège ou piéger l'église épiscopale. M'pa vle tout pour vinn dim, yo pa piéger l'église épiscopale parce que tout soit regarder tout faire là, soit faire analyse des faits, ou faire constat faire, ou pour toute bagaille, toute preuve incriminer l'église épiscopale d'Haïti. Maintenant, comme il y a enquêteur qui placé pour chercher information, comme il y a enquêteur qui placé pour le faire lien, pour chercher lien de causalité, pour chercher qui lien qui gagne entre l'église épiscopale d'Haïti avec Gina Walls, avec compagnie shipping nan, aux États-Unis en Miami, qui pour chercher lien qui gagne entre Zimbabwe et Vundla avec l'église épiscopale d'Haïti, il y a joué lien, il y a joué toute information, toute donnée. Kounya, ça me connaît c'est que yon paquet chrétien, yon paquet chrétien catholique, yon paquet moun ki marche dans l'église épiscopale tout là qui vraiment yo divisé opinion divisé parce que moi je vois paquet message de série de monde qui a dit qui a porté rectification parce que leur parler de l'église catholique dans cause de trafic d'armes yo plus voulait pour faire mention de l'église épiscopale d'Haïti au lieu de parler de l'église catholique parce que il y a une différence entre l'église épiscopale d'Haïti avec l'église catholique romaine parce que moun est révérend bref et moun ki moun sa ki dans l'église épiscopale d'Haïti yo même on saisi pour tendre que gen prêtre qui marié gen prêtre qui gen petit etc moun sa yo dans l'église épiscopale d'Haïti alors que on prêtre qui dans l'église et catholique romaine nan prêtre ça va ka marié il va ka gen petit li va ka nan fait bagay parce que il fait vœu de chasteté etc même là nous connait en batable yo réglise affaire vous comprenez mais c'est distinction ça c'est distinction ça qui gen entre l'église épiscopale avec et l'église catholique romaine donc catholique yo vraiment sensible pour nous pas mélanger bagala pour nous pas dire l'église catholique dans fait trafic d'am en Haïti. Donc l'autre information qui gagne c'est que jodi en là n'a regardé situation qui gagne dans cité soleil là. Faut moi dit nous guerre a toujours là, guerre a pas fini. Bataille G9 G peuple là il pas campé. Pas au fond pas attendre intervention par bon côté mini justice en bête dossier. Pas attendre intervention par bon côté Liz Kitel qui c'est ministre intérieur. Alors ce qu'on attendait information à Bayodou, gen matériel CNE, nek G9 yo ap utilisé pour craser Muboston, pour craser Kaimoun, etc. Au moins, te attend que le directeur CNE a été venu démenti information sa yo, si c'est rumeur démenti yo. M'te attend à ce que le ministère de l'Intérieur tapral soti note ou bien tapral réunir la rapide vite, réunir CSPN nan, pour yo prendre disposition. Parce que en dedans cité soleil la, bilan avant yon de 89, autant de 215 Nations Unies sorti rapport de 234 mais yo pa konnen ki quantité moun yo pa ko ka dou ki quantité moun ki mouri moun ki disparaît yo moun kote yo tout fouye yo tout fouyon force là yo tout fouyon force commune là yo enterre moun yo ou pa ko ka gon bilan vraiment précis et m'a dou le n'a parlé de G9 de G peuple
Ou parle de quartier Brooklyn dans la cité soleil qui dénet. Ou parle de guerre qui oppose G9 G-Pop alors que G9 son ceinture on le fait sous nègre G-Pop dans Brooklyn. Donc on moun qui blessé dans quartier Brooklyn là, on met pour un balle dans orteil puis on risque mourir. On risque mourir quand on pral prend soin. Ou pas ka mettre terre tout dehors pour aller prendre soin. Tout côté pour ta passer au G-Pop qui contrôle. Donc situation extrêmement compliquée. Mon a perdu la vie autant que poule, mon a perdu la vie autant que maringou en baïbé gon en dedans. Donc situation li catastrophique, li catastrophique alors que qui sont les nèg yo fait ou on paquet nèg qui chita sur en table, nèg femme qui chita sur en table, yo prend prétexte lui a cherché un accord. Ou mettez tout nèg za yo ensemble pa bo youn parce que yo pa gagne aucun souci pour changer condition vie moun. Yo pa gagne aucun souci pour porter solution avec problème na vivre dans pays là. Parce que regardez nèg yo te doué Jovenel qui te problème là. Yo te dou depuis Jovenel aller paysan, yo pral rétabli et yo pral rétabli la vie en dedans paysan, la vie pral reprendre, on pral ka travail, pral gen travail, pral ka travail, pral gen sécurité, on pral vivre bien. Yo te ba nou toute promesse ça, yo te fait nou des promesses. Pendant yo t'a prendre les Jovenel menteur parce que yo estime le faut pas qu'être promesse, il pas kakembe. Nèg yo t'a fait nous vivre sous promesse, yo t'a fait nous vivre dans l'illusion. Non, Jovenel pas là encore. Un an depuis nèg yo assassiné président Jovenel, donc je dis à qui ça crété encore des promesses, encore des promesses. Kounia qui est capable de nèg yo chita ka force nèg yo chita ensemble, c'est blanc, c'est blanc, c'est madame Alim qui a fait pression pour nèg yo chita ensemble. Ou regarder nèg yo sur même table, youn nan nèg sa yo même le ta dou et je dis en là on nous prend peine. Ou regarder Yuri la tortue nan peine, ou regarder Marie Denise Claude nan peine. Est-ce que Nexao en 2022 kounya ta fait élection? Est-ce que Nexao gen chance pour ta bon à terre? Si Nexao c'est pas élection au truqué, si c'est pas élection ta truqué, ou pas jambe bon. Prend Montana, jodi an la mais Steven Benoit à terre. Mettez président et provisoire là Montana, Fritz Jean. Di Nexao al nan élection, ou pas jambe bon kon pou ki sa? Peuple haïtien pa kwen nan politisyen sa yo encore. Yo pa kwè nan politisyen tradisyonèl sa, yo bluffeur, menteur sa, yo pa kwè la dedans encore. Et nous fait expérience. Nous fait expérience ou tande Abdou gon terme yo utiliser là pour yo traiter nèg sa yo. Nèg sa yo c'est vampire et c'est sensi yo. Vous comprenez? Yo fini là, yo sous c'est tout ça qui gen nan caisse l'état. Yo vin là, yo sous c'est tout l'argent qui vini pour développement, aide au développement, yo sous c'est tout. Matin m'a tombe, m'a tombe son photo, m'a regardé mes amis. Nous tendons d'où te gen des millions de dollars États-Unis te décaissé bid te prend disposition pour l'argent, ça c'est l'argent aide au développement après tremblement de terre qui s'est passé au Kaila là en autre là. Ou pral saisi pour ouais comment route au Kaila est parce que nèg sa moi même dit nous ça bonjour par la vérité l'entendez blanc vinn dou ça vinn bon l'argent aide gen l'argent pour développement etc. Faut courir nèg sa parce que c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. Mais regardez là pour vous. Quand qui bon nous là, là nous au Kay, nous dans sud. Ça c'est route Masline. Route ça li menon et dans ville d'Ouchiti. On nous regarde. Mais route là. Quand on va dire c'est éboulement terrain, mais tout ouais moi même t'ai à l'Okay. En août depuis le moment même t'a fait route au Kay là, gros paquet roche qui t'est tombé comme ça. Le tremblement de terre là te gagne éboulement terrain, mais au moins prend disposition regardez éboulement, prend disposition au moins pour nous garder comment gagne ministère travaux publics là comme dans des nèg là dit ça pas gagne budget et d'investissement, c'est budget de fonctionnement qui gagne seulement pour dans portefeuille. Pas gagne aucune disposition qui prend bid te promettre l'argent par contre l'argent ça fait jusqu'à présent relon moun tobek là. Relo moun kavayon lan labdou li en bas. Li en bas tol, 4 piquettes li te mette, li mette tol, li style en bal. Pa gen aucune disposition qui prend vraiment. Tout sort dans de là, c'est manigette, c'est bluff. Tout sort dans de là, son paquet parole en l'air. Son paquet manigette nèg yo ba nou pou yo fè nou dormi. N'ap kite sud nou pral nan nou. Wè la, sa se route Pilboro. Depuis sou matin li route sa, yo te promet li ta fèt. Mais li jusqu'à présent ou té a manger net éboulement, té a manger net glissement de terrain qui gagne. Route moun a passé chaque jour là-dedans. Route moun a passé chaque jour là-dedans, poids lourd, machine, marchandise, chaque jour n'a passé là-dedans. Piéton a passé là-dedans même. Nous gagne l'état, nous gagne pays.
Donc c'est pour ça ouais à commenter na peine nègre bataille charge vous laisser frapper pour ça pour qu'a venir sous ses restants. Mais c'est pas que nègre pral prendre disposition. C'est pas que nègre pral prendre aucune disposition vraiment pour changer condition là vous pour faire ceci pour faire cela. M'a regardé ouais là et n'importe industriel qui gagne caracol là. C'est plus passé 4000 moun yo pral licencier là. Plus passé 4000 moun qui pral dans chômage. Je connais pour ça parce que gagne inflation aux États-Unis. Pas de commande qui fait encore, puisque c'est pas de caracol qui te déjà kabay ti moun sa yon ti job, et pas de caracol qui te kaye de moun sa yon, koun ya lol décide de licencier tout moun sa yon, le voye moun sa yon. Alors, quand ça peut arriver là, 4000 moun nan chômage, au moins si te bon l'autre pok ou te ka di moun sa yon nan chômage, mais l'État te prend tout disposition, yap jouen nou ti travail en l'autre côté, 4000 fami qui pral nan gangou, 4000 fami qui pral nan mande, qui pral vivre nan mal cité, qui pral vivre mal. Mais ça carré en rien. Aucune disposition pas prend, c'était Jovenel qui pas de bon, c'était Jovenel qui pas de café, yo pi capable, je dis pouvoir non mais yo pas qui ça au café. Au contraire, on prend André Michel, m'pa kon côté le prend autorité ça, il y a gros backup li nan d'elle. Police a bail sécurité alors que petit malheureux malheureuse a mouri dans cité Soleil ou pas joine en unité d'intervention. Petit malheureux malheureuse a mouri dans quoi des bouquets, petit malheureux malheureuse a mouri dans panier ou pas joine au constance pas bon côté la police pour aller mettre nèg bandits à eux dehors. Nous carrons nos champs pour Magali, nous carrons nos champs pour border, pour l'autre et pour groupe d'intervention de Molo SD. Mais après ça, est-ce que nous calaguer tout problème peigné sous do moun sa seulement? Est-ce que nous calaguer tout problème quoi des bouquets sous do Magali seulement? Hein? Non, faut nèg prendre responsabilité. Ça quitte la vinn do avoir là. Oh, mon groupe de prière. Quitte le groupe de prière pour Haïti. Oh, kounya nous bon premier ministre chrétien dans tel pays, tout va bien. Tout va bien kounya. Nèg yo salaire était pour dire papa ici acheter sac nous pral faire jeune pour pays. On nous fait jeune à autorité pour pays parce que Haïti gè problème c'est dans la prière problème yo ka résoudre. Et ça était pour dire nous, Haïti a fait vrai. N'a fait oh, pas acheter sac. Pas acheter sac parce que nous pas forcer autorité pour responsabilité yo, mais tout problème nous c'est dans pied Jésus pour nous là. Jésus a fatigué avec nous bon le. Dis nous ça parce que bon Dieu ba nous capacité pour nous comprendre. Et puisque nous ka comprendre, j'ai nous calé pour nous voir qui est cap tout pizi nous yo. Faut nous aller chercher solution problème nous yo, non mais nèg za yo cap tout pizi nous yo. C'est un plaisir je dis pour me porter émission. Mon éditorial avec Yannick pour rendez-vous à le casser demain sur même chaîne nana, même l'heure, pas rater émission pour rien même. Mes amis, tendez ça. Ou c'est haïtien ou remet pays et puis on agit. Désespoir de machination politique et les non-dits. Mon éditorial, vous dit tout. Émission mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, monsieur Chanel parle là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la balle et pays, nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick, l'homme même voix.